dans une nouvelle vidéo avec Jérémy, mon copain. Je sais que vous adorez les vidéos avec lui, donc on s'est dit que ça pourrait être cool, surtout qu'on a été vraiment très inspirés par quelque chose qui s'est passé. Jérémy a reçu un DM de l'une d'entre vous, lui parlant de ses problèmes de cœur. Je trouve ça, enfin c'est mignon, mais c'est quand même assez drôle comme situation que quelqu'un ait cherché ton Insta, envoyé. Docteur Love, il m'a appelé. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui on allait un petit peu vous aider dans vos problèmes de cœur. Surtout Jérémy, parce que apparemment vous voulez plus son avis que le mien. J'ai une bien plus grande expérience que toi. Je vous ai demandé sur Insta de me raconter votre vie et croyez-moi, je te jure, j'ai reçu des milliers de messages. Ah ouais? À un truc de fou. On choisit au hasard? Ouais. Tu veux choisir? Vas-y. J'ai hâte de voir vos histoires. Petite pause dans la vidéo pour vous montrer ma sélection Naked. J'ai fait une commande très tenue de travail. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais déjà, première chose, j'ai commandé cette chemise. Je trouve que la coupe est incroyablement parfaite. Vous voyez l'étiquette, je viens juste d'unboxer. Je l'ai prise en 38, c'est la taille parfaite. J'aime trop parce que c'est oversize, vous savez que c'est tout ce que j'aime. Il y a des mini rayures dessus, je sais pas si vous voyez. J'adore cette chemise. J'ai aussi pris cette chemise avec des petites épaulettes. Et en ce moment, j'ai une façon particulière de mettre mes chemises. Je mets toujours deux boutons comme ça. Comme ça, c'est un petit peu décolleté, mais pas trop. Et en bas, c'est... Wouh ! Mais je trouve ça beau. J'adore. Et attendez, j'ai un manteau. Un manteau ultra oversize avec des épaulettes. Mais il est tellement incroyable. J'aime tellement les manteaux oversize. J'adore ! Il est hyper lourd, genre. Je pense qu'il va devenir très chaud. Donc c'est positif. J'ai aussi pris ce blazer. Il est trop beau. Je l'ai carrément pris en 42. Je voulais un truc ultra oversize. Et attendez... J'ai acheté des petites boucles d'oreilles. C'est vrai que je pense jamais aux accessoires sur Naked, mais il y en a plein. J'ai pris des énormes boucles d'oreilles. En fait, c'est des petits cœurs. Si vous avez vu les dernières vidéos, vous savez que j'ai une nouvelle obsession pour les boucles d'oreilles. J'ai eu la découverte de ma vie. Ça change toute une tenue. Si jamais vous avez envie de passer commande, tous les liens sont en barre d'infos. Je vais aussi vous mettre les tailles en vrai parce que je pense pas tout le temps les mettre, mais comme ça vous avez les infos aussi. Et avec le code qui s'affiche juste ici, vous avez moins 20% sur tout le site. Voilà, c'est pour tout le monde. Nouveaux clients, pas nouveaux clients. Profitez-en. Mais le lip, faut qu'on découvre ensemble. Te spoil pas. Ok, mais ça se trouve c'est une, okay. Une mauvaise histoire. Mais c'est pas grave. Coucou, j'ai décidé de redonner une chance à mon ex. Ça fait 8 ans que je le connais et je l'ai vu au lycée avant que je décide de lui redonner une chance. Il était sûr de vouloir se remettre avec moi. Maintenant, il sait plus. Il dit qu'il tient fort à moi, mais je ne sais pas si je dois attendre qu'il se décide ou faire ma vie. Déjà, faut pas se remettre avec ses ex. Première règle générale, ouais. Sauf cas particulier, genre tu t'es séparé parce que je sais pas, genre t'aimais trop ta copine, elle est partie faire ses études pendant 2 ans à l'étranger. Oui, oui. Mais genre pas de raison négative. Genre il t'a trompé. Ouais, ou ça allait plus entre vous, vous engueuliez tout le temps. Sinon c'est une perte de temps. Ouais, dans les grandes lignes, faut jamais se remettre avec son ex. Là c'est malheureux à dire, mais ça veut dire qu'il s'est passé des trucs, ils se sont vus, peut-être qu'il s'est passé plus qu'ils se sont juste revus. Donc là il était sûr, mais maintenant qu'il s'est passé des choses, il est plus sûr. Donc ça veut dire qu'il est pas fiable. Il s'en tape. Genre il faut pas se poser la question quand tu me dis, je sais pas si je dois attendre, mais à quel moment t'attends quelqu'un, genre. Jamais, mais vraiment jamais, faut jamais faire ça. T'attends personne, c'est ta vie, hein. C'est le temps de ta vie, pas de sa vie que tu perds là. Si ça se refait, ça se fait genre naturellement, fluide, vous remettez ensemble, ouais. Ça se passe bien. S'il y a un truc bizarre, déjà c'est bizarre. Ouais. La présence de son ex est très présent, je ne sais pas comment oublier ou continuer une relation saine. Merci, on dit je t'aime. Je comprends pas la question. Bah en gros, elle est en couple avec un mec et son ex est toujours là. Ah bah ça aussi c'est un big sujet ça. Ça c'est un big sujet. Moi j'ai un avis grave tranché. Moi aussi. Genre les vrais ex, tu peux pas être ami avec. T'es pas obligé d'avoir des mauvaises relations, mais genre quelqu'un que tu vois au quotidien et tout, c'est trop chelou. Désolé, ça je comprends pas. Genre là à sa place tu fais quoi? Si moi je suis grave pote avec mon ex. Bah on serait pas ensemble. Ah ouais? Bah ouais, tu vas me dire genre ouais ce soir je vais au resto, on va manger vite fait avec mon ex. Pour moi c'est pas sain du tout. Ouais, je suis d'accord. Donc je conseille de toute façon le conseil. Bah c'est de la gueule, tu peux pas quitter son mec pour ça là. Non mais en fait son mec s'il l'aime vraiment il doit quand même prendre des décisions, c'est trop bizarre sinon. Je te dis pas en mode va voir ton ex et dis lui ma copine n'avait plus qu'on soit amie. Genre pour moi c'est naturel en fait. Tu fais attention quoi. Tu fais attention, ton ex elle prends soin de ta copine. Et faut toujours penser à l'inverse. Si elle fréquentait le mec avec qui elle était pendant des années, tout le temps le mec il serait en PLS. Comment gérer un conjoint bordélique? M'en parle pas. Je ne peux pas te répondre. Il me ruine l'appart le mec. Je suis restée avec mon ex pendant 2 ans. Durant ces 2 ans, on s'est pas mal pris la tête car il ne prenait pas les devants. Il ne faisait pas de petite attention, il ne montrait pas forcément ses sentiments. C'est tout le temps moi qui lui proposais de faire des sorties, de faire des restos, etc. J'en pouvais plus de devoir lui faire des remarques par rapport à ça et j'avais l'impression de pas être aimée et j'ai décidé de partir car il m'a dit, je cite, je suis comme ça et je changerai pas pour quelqu'un. C'était dur mais je devais partir. Ça va faire 1 mois qu'on est plus ensemble mais on a décidé de rester en contact.
Fais attention à toi. Mais on a décidé de rester en contact et on s'était dit que si on faisait un travail sur nous, on pouvait se remettre ensemble. Moi aussi, il faut que je fasse un travail sur moi en termes de lecture. Mais dès qu'il m'arrive quelque chose dans ma vie, j'ai besoin de lui parler, sauf que ça me met mal. Mais en même temps, j'arrive pas à me détacher de lui car je l'aime et j'espère toujours qu'il va avoir le déclic qui lui fera changer d'avis. Je t'explique. Il faut arrêter d'agir comme s'il y avait qu'un seul mec sur Terre. Il y en a plein. Il te calcule pas, il fait zéro effort. Je comprends la situation. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Mais le jour où tu vas rencontrer un mec qui va te donner tout ce que tu veux, qui va te donner toute l'attention du monde, qui va te proposer toutes les sorties du monde, ce que tu veux, tu vas te dire mais comment j'ai perdu mon temps, sauf que là tu l'as pas encore trouvé, donc tu peux pas te rendre compte de ça, mais moi je suis là pour ça, pour te le dire. C'est fini là. Moi c'est vraiment, quand c'est fini, je veux plus jamais entendre parler. Je vous jure que c'est la meilleure chose à avoir parce que de rester dans son truc, c'est terrible. Je suis d'accord. Les gens se rendent pas compte à quel point il y a plein de gens compatibles avec eux. Ouais, mais ça c'est un truc de fou. Et ils pensent que genre la personne avec qui ils sont, genre c'est la meilleure. C'est la seule. Tu peux trouver plein de gens avec qui tu peux partager plein de trucs et avec qui ça peut aller loin ou avec qui tu peux plein. Et genre les gens s'arrêtent à la première rencontre en se disant c'est elle, mais non t'en sais rien en fait. Il y a plein de points qui vont, mais il y a plein de points qui vont pas. Et en fait, réfléchis à toi, à ce que t'as besoin et trouve quelqu'un qui correspond à ton besoin. C'est pas juste elle est là, bah faut que ça soit elle parce qu'elle est là, c'est forcément la bonne. Non, c'est pas la bonne parce qu'il y a. Vu que ça va pas. Il y a plein de trucs qui vont pas. Ouais, à chaque fois que tu te sépares de quelqu'un, t'es trop mal et tu te dis toujours je trouverai jamais quelqu'un d'aussi bien, etc. Et à chaque fois tu trouves quelqu'un d'autre. Ah bah ouais. En fait, quand tu comprends ça, tu captes que là, par exemple, genre, je vais te donner un exemple, genre si on se sépare, mais non, c'est atroce. Là, on se sépare, on trouve quelqu'un. En vrai de vrai, à chaque fois. Tu vois, si on se sépare, bah, là, je trouverai quelqu'un. Je pense que. Moi, je galérerai à trouver quelqu'un d'aussi compatible. Je pense que voilà, je suis pas sûre de retrouver quelqu'un d'aussi compatible. Ouais, attendez, on a fait le colis. Mais pour le coup, je vous jure que depuis que je pense comme ça, ma dernière relation, quand on s'est séparés, j'étais trop mal. Et en fait, du coup, tu vois plus les choses de la même manière, tu te rends compte que c'est normal et c'est la vie et tu trouveras toujours quelqu'un de mieux. Alors moi mon gros problème c'est que je n'arrive plus à pécho, je t'explique, j'ai peur des relations, vraiment me mettre en couple me terrifie. Je pense que c'est à cause des relations que j'ai déjà eues et qui m'ont fait beaucoup de mal. Comment refaire confiance aux hommes, faire des dates ma phobie, comment on se motive à aller en date. Putain c'est dur hein. C'est grave dur de donner un conseil comme ça. Faut que je relaye sur Tinder tu vois. Ou n'importe quoi, une app. C'est chaud de donner ce conseil. Ouais mais non parce qu'elle est bloquée parce qu'elle sait pas comment faire. Ouais. Faut qu'elle rencontre des mecs, ou des filles, je pense qu'elle parle de mecs, avec qui elle peut discuter tu vois par message, jusqu'à ce qu'elle tombe sur celui avec qui elle aura le bon feeling genre qui lui donnera envie de l'écrire. En vrai c'est vrai que Tinder, les apps de rencontre c'est grave bien parce que tu peux parler à 10 mecs en même temps si tu veux et ça t'engage en rien et ça te remet dans le process. Ça va la mettre dans le truc tu vois. Attendez, disclaimer. Non, mais là, on est à l'étape de discuter, on est oui, pas oui, à l'étape non, de rencontre. Oui, mais je m'en fiche. Quand on parle d'app de rencontre, faites extrêmement attention parce que lui il est pas fou mais ça aurait pu être un malade mental. Mais elle va voir qu'elle va plaire à des garçons et elle va parler et donc elle va forcément rencontrer un mec avec qui elle va avoir un peu les mêmes délires. Si juste arrive à discuter avec une personne qui te met en confiance et qui fait sentir que c'est, enfin, tu peux être toi-même, ça va grave te remettre dans le truc. Ça sera naturel, c'est comme si vous vous connaissiez déjà alors que vous vous connaissez pas. L'écrit c'est déjà une très bonne étape. Je crois avoir trouvé le monsieur de ma vie, tout coulé de source, première fois que je... Vas-y, je sais pas lire, c'est une dinguerie. Tu crois... Ok, je crois avoir trouvé le mec de ma vie, même si ça fait très peu de temps. Tout allait bien, première fois que je connaissais avec quelqu'un, zéro red flag, etc. Mais mon cerveau d'anxieuse a commencé à se mettre en route et je commence à me dire qu'après seulement 2 mois, j'ai l'impression qu'il m'a déjà comme acquise. Je sais pas comment lui faire comprendre que même si on se ressemble énormément, il connaît pas tout de moi, vous aurez une idée. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Ouais. Genre, à trop se poser de questions. Et si tu te poses trop de questions, tu complexifies un peu les choses. Bah en fait, faut pas que, du coup, tu lui prennes la tête. C'est parce que t'arrives pas à régler ton cerveau, mais je comprends totalement. Souvent tu mets ta vie entre parenthèses quand tu te mets en couple au début, et bah la mets pas entre parenthèses, vois tes potes, fais ta vie, fais ta vie. Arrêter de le calculer, continue, tu lui proposes de venir, tu fais des trucs, mais du fais coup, ta vie quoi. Il va sentir qu'il y a ta vie et votre vie ensemble. Ouais, pour moi juste montre lui que t'as une vie et que c'est pas le centre du monde, tu vois, et que genre tu ne vis pas désormais uniquement via lui quoi. Là c'est horrible, ça j'ai pas de réponse. Mon copain part en Australie dans 15 jours pendant 1 an. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble, des conseils pour tenir le coup. Un an tu refais toute ta vie en 1 an. Superbe, ça rassure en tout cas si tu pars. Franchement je trouve ça horrible. Pars avec lui hein. Bah non mais si elle dit ça c'est qu'elle peut pas. T'es gentil toi, pars avec lui genre ouais bah ouais je pars en Australie pendant 1 an c'est ok genre. J'ai 2 avis, je pense que si vraiment tu tiens trop à lui et que tu le sens, bah 1 an c'est extrêmement long mais si t'arrives à y aller genre une fois au moins. C'est l'Australie hein. Et ouais c'est très long. 2 heures de décalage. Ouais c'est atroce. Personnellement je dirais profite bien en Australie, ciao. En fait, tu t'engages vraiment à 1 an entre guillemets de calvaire parce que lui, en fait, c'est une nouvelle vie. Toi, ta vie, ça reste la même juste sans lui. Donc, il n'y a pas de nouveauté, il se passe rien. Et lui, par contre, il va découvrir de nouvelles personnes, découvrir une autre mentalité, un autre pays, une autre manière de vivre. Et les Australiennes.
Et pour moi, à sa place, lui, je dirais, ok, c'est une nouvelle vie qui commence. Genre, on verra où est-ce qu'on en est dans un an, mais là, genre, j'ai besoin de, tu vois, de commencer une nouvelle vie, donc je pense que j'arrêterai. Parce que c'est trop dur, la distance. C'est trop dur, en même temps, je peux pas te dire de le quitter, enfin, c'est atroce. Je trouve ça horrible. Le mec part, il rencontre des gens. Déjà, il y a 2 heures de décalage, donc tu parles jamais avec la personne. Mmh. Tu partages rien avec elle, tu peux pas la voir. Ça te prend la tête. Donc 2 options. Soit il va pas vivre sa vie, il va être frustré, il va avoir encore plus le seum contre elle de toute cette situation. Soit il va la tromper, YOLO, il va se dire de toute façon je vis qu'une fois en Australie dans ma vie. Dans tous les cas, tu vois, sur le 1 an, il va y avoir des mois de perdu pour les deux, tu vois. Alors que si dès le début c'est difficile, mais tu poses les choses et tu dis bon, on va être à 15 000 km d'écart, 12 heures de décalage horaire, on essaye de se retrouver après, bah c'est plus intelligent de faire ça. Tu vois, si toi demain tu pars 2 ans à l'autre bout du monde, je préfère me dire vas-y, c'est une opportunité pour moi de faire autre chose. À quel niveau? Bah non, mais tu vois, je vais t'échanger de vie, quoi. Non, mais évidemment, je suis d'accord. Donc voilà, ouais. Moi je dirais, faut séparer. Et ça marche rarement. C'est horrible. Moi j'ai un ami, il s'est passé exactement ça. Lui, il était malheureux, elle, je sais pas ce qu'elle a fait là-bas, mais bon, t'as capté, quoi. En fait, là, j'ai l'impression qu'on donne des conseils horribles. Genre, on dit aux gens, quitte ton mec, casse-toi, oublie-le. Faut privilégier sa vie avant tout. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Faut penser à soi. Ouais. Ces temps-ci, je me sens très seule. Je suis en études, galère d'argent, stress, remise en question. Ajouté à cela, j'ai un sentiment de solitude que je balade depuis quelques années maintenant, malgré des frères et sœurs plus ou moins présents, des amis, etc. Mon copain, lui, travaille, premier job, stress, surcharge. Il a 20 ans et je me sens peu épaulée dans mon couple. Je m'efface pour pas le surcharger. Quand je lui dis que je vais pas bien, il ne prend pas le temps de parler. Entre parenthèses, ce n'est pas un grand bavard. C'est pas une excuse. Je me demande si même si c'est une personne incroyable, on est fait pour être ensemble, car je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de reconnaissance, d'affection verbale, ou encore d'être rassurée. Le problème, dès qu'on parle de couple, etc., c'est que dans toutes les vidéos, et quand je re-regarde la vidéo, je me dis, mais j'ai l'air d'être une horrible personne, je suis trop radicale dans mes réponses, c'est horrible. Bon, la solution n'est pas toujours de quitter la personne, mais malgré tout, je vais quand même le dire. À un moment, si toi, tu sais que profondément, t'as besoin d'être tout le temps rassurée, d'avoir quelqu'un... T'abuses de ouf. Quoi? Tu veux lui dire de quitter son mec, genre? Bah, non mais attends, laisse-moi finir. Si plus profond de toi, tu sais que c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire dans ta relation, que t'es quelqu'un qui te rassure, qui soit tout le temps là pour toi, et que lui, vraiment, il est pas bavard, il a pas ce côté-là, et si t'en arrives à m'envoyer un message et te remettre en question, etc., c'est quand même, ça va pas. Est-ce que c'est bon d'avoir besoin d'être rassuré? Est-ce que le problème, il vient pas de la fille aussi, tu vois? Ah mais je dis pas le contraire. Bah oui, mais du coup, peut-être qu'elle a un travail à faire sur elle-même, et lui, sur lui-même, qu'il soit un peu plus bavard, mais qu'elle accepte qu'en fait, tu peux pas demander au mec avec qui tu vis, qui bosse, qui est jeune, qui a plein de trucs, qui est stressé, d'en plus. Bah, je m'en vais. C'est dur, tu vois, faut accepter d'être avec la personne, que l'autre t'aime, mais qu'elle a pas besoin d'être tout le temps derrière toi. Bah, après, ça dépend. C'est sûr. En fait, ça dépend si c'est les extrêmes. C'est-à-dire que si toi, vraiment, t'es dans l'extrême et tu as trop besoin d'être rassuré, etc., et que lui, vraiment, genre, c'est pas son délire, c'est un effort des deux côtés, là, pour le coup. Mais ça se trouve, il la rassure. Juste, c'est pas assez, tu vois. Après, c'est aussi à toi, effectivement, de mesurer un peu le truc, quoi. Faut lui en parler, tu vois. Ça se trouve, il se rend pas compte, il est dans son taf et tout, il se rend pas compte qu'il l'a fait souffrir, entre guillemets. Faut parler. Et en vrai, il y a un truc que j'ai appris. En vrai, je pense que c'est avec notre relation. Mais dire que quelqu'un n'est pas comme ça, c'est pas toujours vrai. Moi, j'ai grave changé à certains niveaux, mais dans le bien, je pense, j'espère. En tout cas, sur certains points. Enfin, quand je m'imagine il y a 4 ans, j'aurais pas pensé, tu vois, que d'en arriver là. Putain, je sais pas m'exprimer. Dans un couple, la seule chose qui est importante, c'est le dialogue. Si vous parlez pas, vous pouvez pas savoir. Donc, je pense qu'il faut que tu lui en parles et voir aussi sa réaction. S'il t'envoie chier, c'est qu'il s'en fout et là. Ciao. Ah ouais. Oh oui, c'est pas facile quand tu bosses aussi. Bah c'est difficile de mettre son attention partout, quoi. À un moment, y a des moments dans la vie, faut travailler pour soi, tu vois. Ouais. Mon problème, mon mec m'a trompé dans un contexte un peu particulier. Je lui ai pardonné, tout va bien entre nous, mais j'ai toujours peur que ça recommence. En plus, la meuf en question est littéralement folle. Elle cherchait à être ma pote. Genre, on s'est fait avoir par le même mec. Je sais pas comment la dégager, MDR, et lui, comment lui faire comprendre que c'est moi la boss et qu'il faut pas me lâcher. Bisous. Bah pour moi, tu le dégages direct. La tromperie, c'est trop. Ouais, et puis là, en plus, c'est trop bizarre. La meuf, elle est dans les parages, elle continue. Tu parles à elle. Red flag pour en tout le monde. En lui disant, ouais, on s'est fait tromper par le même mec, donc c'est pas ce que lui. Ça veut dire que c'est pas ce que lui a dit à la meuf. Ça se trouve, il lui a dit des dingueries, genre on va se mettre en couple, elle, je vais la dégager pour toi. Non, mais peu importe. En fait, vraiment, je vous jure, on n'a qu'une seule vie, il y a plein de mecs sur Terre. Pourquoi Doucement. Quand non, mais pourquoi se remettre avec un mec qui t'a trompé? D'autant plus que, même si on est sûr que là, plus jamais il te retrompe, t'auras toujours peur au fond de toi. Et la relation, elle sera, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens, dites-moi en commentaire, qui se sont déjà remis avec leur ex qui ont trompé, et est-ce que ça se passe bien? Je pense que ça peut exister, mais genre là, après, par exemple, un mec, un trompeur, tu me trompes, oui, tu me trompes,
Ça dégage. Ah mais évidemment, je ne pourrais pas, pour le coup ça me rendrait... Non mais oui, t'as trop peur. Folle. T'as trop peur, ça, mais je suis folle. Moi aussi. Franchement, je peux pas juger parce que je pense que c'est dur. Sauf que si tu restes, si tu restes, la personne, elle, pour le coup, elle te prend pour acquise de ouf. Ah ouais, ouais, de malade. Mais pour le coup, là, s'il y a la meuf qui est là, s'il y a ci, s'il y a ça... Sauf qu'elle le dit en fait. C'est chaud. Mais en fait, la meilleure manière de te faire comprendre qu'il te lâche pas... C'est de le lâcher. C'est de le lâcher, ou en tout cas de lui montrer que toi... T'as pas son temps. Ouais, t'as pas son temps de ouf. Là. Et là, t'inquiète pas qu'il va la dégager, la meuf, il lui parle plus. Comment tu parles? Oh. Bah non. On est sur YouTube là quand même. L'autre meuf, il va la dégager. Hein. Ouais, tu la calcules plus. Hein. Il va être derrière toi comme jamais. J'espère bien. Ouais. Mon mec m'a dit qu'il avait eu un déclic et que maintenant, il allait faire des efforts, des attentions, fleurs, etc. Mais ça fait 2 mois et pour le moment, je ne vois vraiment pas de changement. Je fais quoi? Je reste avec lui, j'attends, je le quitte. Après, on a un bon équilibre, on vit pas ensemble, mais on se voit le week-end et ça se passe plutôt bien. Mais je sens qu'il manque un truc. Genre, normalement, quand t'es bien dans une relation, tu te poses pas la question, tu te dis pas, il y a un truc qui manque. Je sais pas, moi, souvent, je me dis que je fais pas assez d'attention pour toi, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, j'en fais. Non, en fait, t'es grave attentionné, mais pas du tout de cette manière. Tu vois ce que je veux dire? Je vais aller t'acheter à manger. Tu vas aller m'acheter à manger, tu vas me dire d'aller dormir. Tu vas me dire d'arrêter de travailler. Ça, c'est attention. Mais genre, ça. Jamais tu vas m'offrir des fleurs. Non, mais j'y pense. Jamais tu vas. Non, mais attends, laisse-moi finir. Attends. Oui, un petit cadeau. Jamais tu vas me dire. Mais un petit cadeau, mais. Non, mais. Jamais tu vas me dire, genre, allez, viens, on va aller faire un truc. Non, non, non. Jamais tu fais ça. Mais ça, c'est en réalité. C'est les mecs. Non, pas d'excuses. Chacun son délire. L'attention, c'est pas juste quel cadeau il m'a fait. Oui. Je suis d'accord. Genre, ça me fait un demi-milliard de fois plus plaisir que tu me dises, ok, t'as la flemme de faire manger machin, je vais chercher des trucs à manger. Pose-toi, je vais te ramener à manger. Plutôt que genre un cadeau, enfin je peux te donner un cadeau, enfin je m'en fous. Quand tu demandes quelque chose et quand tu montres que t'en as besoin, tu l'auras jamais naturellement. Genre là, imagine tous les jours je te fais comprendre que je veux des fleurs et tout. Ouais. Je trouve ça trop chiant, ça te met la pression. Du coup, tu vas le faire, c'est même pas naturel. Ouais. Et je trouve que c'est grave fucked up comme situation. Mais ça te fera plaisir. Je vais me dire ça me fait plaisir, mais bon, il l'a fait parce que je lui ai dit de le faire. Ouais, mais dans ces cas-là, on s'en sort plus, tu vois. Comment je peux savoir ce que tu veux? Avec un collègue d'une autre agence. Ouh, j'aime bien son histoire. On se drague depuis 7 mois. Notre rencontre en séminaire d'entreprise. 7 mois? Ouais. Putain. C'est plus de la drague là. Plus de la drague, vous êtes en couple là. On se parle H24, 7 jours sur 7, sur Insta et sur Teams quand on travaille. Ah ouais. Il vient subitement d'arrêter de me parler. Je ne sais pas quoi faire en sachant que je déménage à Paris dans quelques mois. Ah, donc là, elle le rejoint à Paris. Ok, bah moi je sais, moi. Il était peut-être en couple depuis le début et il lui a jamais dit. Bah pourquoi subitement maintenant, genre? Bah, je sais pas, il se rend compte. Bah, que... pour moi, c'est dans l'autre sens. Il était célibataire, il se parlait H24, et genre là, bah lui, il a fait sa vie, il a rencontré quelqu'un, donc il arrête. Ouais. 7 mois, c'est long, hein. C'est horrible pour toi. Parce que 7 mois, tu t'attaches de ma. Enfin, la situation, elle est horrible. Après, ils sont collègues, ils vont se revoir. Ouais, bah, super ambiance. Moi, je le croise, je donne tout. Je sors le full package. Non, mais tu. Bah oui, c'est ça que je te dis. Ouais, parce que 7 mois. Moi, c'est ma manière de le dire. Ok. Sois politiquement correct, je t'en supplie. Ok. Tu lui fais oublier son bail là. Ah non, par contre, s'il en coupe. Attends, ça fait 7 mois qu'ils ont. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a priorité. Non, elle a archi priorité. Par contre, red flag, c'est que c'est un sacré de plus de nouvelles. Genre, tu t'expliques, tu dis excuse-moi, j'ai rencontré quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui je pense que ça peut être sérieux. Genre, je t'aime beaucoup, je suis désolé. Mais surtout, à ta place, genre, tu dis les choses, ce que tu peux pas ghoster, tu vois. Parce que là, dans quelques mois, tu vas à Paris, là, il te donne plus de nouvelles, il n'envoie plus de messages, rien, et t'arrives en bombe à Paris, et tu lui donnes tout. Ouais. Et tu verras si ça vaut le coup ou pas. J'aimais quelqu'un l'hiver dernier, on s'était grave reproché et je pensais que le feeling était réciproque. Malheureusement, je me suis prise un énorme râteau où il m'a humiliée. Mais rigole pas, c'est pas drôle. C'est atroce. J'ai pas vu la suite. C'est un peu gros, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Devant ses potes de façon hyper violente. Oh là. Wow, mais il est horrible ce mec. Et en mars 2023, il m'a recontacté. Ah ouais, voilà. Il m'a recontacté car il avait des sentiments et il osait juste pas assumer devant ses potes. Ah non, ça c'est bon là. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Exact, et le cul de la crémière. Et c'est toi la crémière. Donc à ta place, j'irai dans une autre crèmerie. Ah mais il y a pas de problème en fait, elle l'a envoyé chier. Ah bah voilà, parfait. Bah voilà, t'as pas besoin de conseils, t'es trop forte. Hello Andy et Jérémy. Il y a 1 an et demi, je suis sortie d'une relation malsaine au possible, tromperie, violence et j'en passe. Aujourd'hui, je vais mieux et j'ai récemment rencontré quelqu'un de génial, mais j'ai toujours une petite voix qui me dit il y a un truc qui va pas, il cache quelque chose, ça peut pas être si beau. Et je dois avouer que ça me gâche un peu la vie de ne pas réussir à m'épanouir à cause de mes précédentes relations déconseillées. Pour moi, il y avait toujours une douille chez quelqu'un. Et avec toi, et c'est pour ça qu'on est ensemble depuis longtemps, j'attendais la douille et globalement, la douille n'est jamais arrivée. Comment ça, globalement? Bah non, mais je peux pas. Il y a eu 2-3 petites douilles? Non, il y a eu des petites douilles, non, mais tu vois, il y a pas eu de red flag, j'attendais un truc.
qui arrivait et rien n'est arrivé. Et là, je comprends parce que la meuf, elle a peur et tout parce qu'elle a rencontré un mec toxique avant. Mais tous les mecs ne sont pas mauvais, tous les mecs ne sont pas toxiques. Il y a des gens bien, il y a des gens gentils. Surtout au niveau de toxicité dans lequel elle parle, tous les mecs sont pas comme ça, tu vois. Donc, je pense qu'il faut laisser sa chance aux gens, mais ne rien laisser passer. Et je pense que son mec d'avant, si c'est en arrivé à ce niveau de toxicité, c'est que c'était un beau sac à merde. Dès le début, elle a laissé passer, ils se sont embrouillés, elle était violente, en fait, elle a laissé passer. La clé, je pense, c'est de ne pas laisser passer un seul red flag. Parce qu'en fait, t'en laisses passer un, après tu laisses passer tout le reste parce que tu dis non, mais je pense pas. C'est pas du tout de ta faute, attention. Mmh. Mais c'est comme ça que c'est très difficile après d'en sortir. Ouais. Et je pense que là, pour l'instant, s'il y en a pas, te fais pas d'histoire parce que peut-être tu en auras jamais ouais. Et tu vas pas te gâcher la vie et alors la qu'il se passe quelque chose de bien. Et là, oui, la relation. Mmh. Donc te pose pas de questions, par contre, s'il y a un red flag, prends tes affaires. Et je l'ai assez dit dans cette vidéo, donc vous savez de quoi je parle. Je me lasse toujours très vite des garçons à qui je parle et donc je n'arrive pas à avoir une relation sans les blesser à la fin. Que penses-tu que je devrais faire? Merci Andy. Bah tu te mets pas en couple avec eux. C'est toi qui n'es pas prête. Moi je suis un peu comme ça, pas au point de me dire que genre je peux pas avoir une relation avec quelqu'un parce que je me lasse, mais genre je sais que je me lasse vite, mais ça dépend aussi de la personne que t'as en face. C'est des deux c'est côtés. C'est des deux côtés quand même. Ok, mais qu'est-ce qu'elle doit faire du coup? Bah continuer de rencontrer des mecs jusqu'à ce qu'elle trouve le mec qui va lui donner envie de rester et de plus elle sera pas lassée. Mais en revanche elle dit de les blesser à la fin, et bah elle devrait être plus claire sur ses intentions, moins s'engager, et du coup tu fais moins espérer et du coup tu blesses moins. Ouais. Mon mec ne prend jamais de décision et me dit toujours comme tu veux. À chaque chose que je lui demande, exemple, qu'est-ce qu'on mange, tu veux regarder quoi comme série, ça me gave qu'il ne prenne jamais de décision. Je ne sais pas comment lui faire comprendre gentiment que c'est pénible. Franchement, je suis grave d'accord, c'est horrible. T'as l'impression que du coup, la personne qui est avec toi n'a aucun sens de la vie. Genre, n'a aucune envie de vivre. Genre, je sais pas, et ton propre avis, tes propres envies, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pas facile. Si tu veux lui dire gentiment, tu lui dis, si tu veux lui dire moins gentiment, tu le piques dans son ego. Mais t'es méchant. Non. Moi, tu me demandes ce que je veux manger, je te dis comme tu veux. Ouais, c'est chiant. Bah parce que toi, tu sais ce que tu veux manger. Donc non, en fait, le problème c'est que toi, tu sais pas, et t'as envie que quelqu'un prenne la décision à ta place. C'est vrai. C'est ça vos problèmes en fait. À vous les filles. Mais là, attends, est-ce que tu la connais, Adélaïde? Bah, ouais, non, ouais, donc commence même pas à mal lui parler. Non, mais par contre, un mec qui prend aucune décision, oui, je trouve ça ultra repoussant. C'est un message que tu veux me faire passer? Ah non, pas du tout. Genre, c'est grave pas attirant. T'as envie d'un mec qui prenne les choses en main et dit non, va manger ça là. Je dis, tu vas pas au travail, ma beauté. Je t'emmène. Mais je rigole. Votre problème, c'est les films américains. C'est de l'humour. Je rigole, c'est de l'humour, Marie, de l'humour. Bon, voilà pour cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Franchement, je pense que si jamais vous aimez, vous me dites en commentaire. On pourrait refaire avec d'autres questions ou des sujets bien particuliers. Ouais. Je pense que ça peut être grave cool. Il y a encore plein de situations à aborder. Bon, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifs car il y a des choses qui arrivent et vous n'avez pas envie de les louper, si je peux me permettre. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta, aussi dans mon canal, sur TikTok. Bref, maintenant il y a trop d'endroits à les suivre. Je sais, c'est chiant, il y a trop de choses. Mais vous pouvez aller partout parce que je suis partout. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve le mercredi dans une prochaine vidéo.